Est-ce que nous entendons bien là, qu'on y a là? On ne parle pas de la vie en tête, mais pas attendez, non? Est-ce que nous entendons bien? Est-ce que nous sommes bien sortis? Donc, si bien, bien sortis là, moi. Nous avons dérapé? Non? Nous avons dérapé? Allô, bonjour, bonjour, bonjour. Est-ce que nous sommes sortis? Chérie, est-ce que nous sommes bien sortis? Watson, vous entendez bien? Non, non. Ok, vous entendez bien ou bon? Ok, de vous dire bon, bon. Bon, je vais là, je dis, contrairement à ce que j'ai fait avant, je suis un petit peu en face à là. Là, je vais là parce que justement, derrière, il y a une manifestation. Son manifestation, je vais prendre un petit peu pour au moins là où mon yo. C'est une manifestation qu'on fait devant et agence ministère affaires sociales équivalent la caïne. Donc c'est aux manifestations très certainement c'est mon handicapé qui là donc qui justement a manifesté au milieu une fête andé et problème devant bah autorité au ministère affaires sociales là justement pour demander au meilleur traitement dans ces débats. Donc il a manifesté là. Donc, tu es certainement là pour un bon nombre de temps là. Sous côté à la guerre, la police qui là tout. Donc, on est que tout côté qui gagne, il faut qu'il y ait police pour justement protéger la propriété de l'État, la propriété fédérale, protéger tout le monde. Donc, handicapé, il y a manifesté. Nous, par contre, le principal sujet, mais nous, on est là. Donc, c'est ça que les. Aux manifestations, tout le monde a fait ses discours et mon a fait et tout le monde a intervenu justement pour faire des voix, pour dire ça aux pensées et raisons qui mènent là. Donc très certainement c'est pour et parler avec l'autorité pour certainement améliorer les conditions de vie et bah, bon, c'est là que nous sommes là dans les manifestations ça nous a fait actuellement et devant le ministère des Affaires sociales. Qui justement face à voir de l'Amérique là, tout parce que dans la zone là, il y a plusieurs agences fédérales américaines. En parlant des agences fédérales américaines, on a dit que le Congrès jusqu'à présent là, dans une bataille là pour voir si on était capable et je nous vote pour passer un budget fédéral ou bien encore pour même si c'est à provisoire. Pour permettre que l'administration, pour permettre que le gouvernement fédéral là, continue à fonctionner après 30 septembre. Après 30 septembre, donc, il y a l'argent pour payer employeur jusqu'au 30 septembre. Mais après 30 septembre, il n'y a pas l'argent pour payer employeur. Donc, le gouvernement, normalement, techniquement, a fermé, à l'exception de quelques agences qui ont été ouvertes. Et n'a pas les agences personnelles essentielles, donc la police, Homeland Security, et monsieur qui est tout de contrôle. Et journalistes à voir de l'Amérique, tout emploi et ça, garde frontière, tout le monde a pris du travail, même si on ne compte qu'il a touché, mais la loi fait nos obligations pour nous venir travailler, même si nous ne compte qu'il a touché. Mais depuis la résoudre, tout le monde a gagné l'argent dans la poche. Et puis, on a parlé de d'abord gagner soldats américains qui étaient pour un refuge en Corée du Nord, que Corée du Nord expulsé. T'es expulsé avant-hier, eh bien, après une médiation qui est faite entre la Suède et puis avec support la Chine, eh bien, soldats américains sont retournés et sous territoire américain. Donc, hier matin, bonheur, monsieur, grand matin, 12 jours, monsieur, débarqué dans San Antonio, Texas, à bon avion militaire. Bon, très certainement, monsieur, qu'on y a emmené non centre. D'observation, parce que dans les États-Unis, ils ont un côté otage ou ils ont en isolation ou en prisonnier de guerre. Ils ont maintenant là pour justement observer, suivre pour ne pas avoir d'autres problèmes mentaux, etc. avant de mettre dans ce cas. Maintenant, quand Michel a l'autre statut, parce que étant donné que Michel est un soldat qui était déjà en prison en Corée du Sud, et puis pendant qu'on visite Michel et follow-up call. Monsieur est fait une visite dans la zone démilitarisée, puis monsieur Chappé, et puis monsieur, alors qu'il était pour y aller, et pour le dépôt en avion, et puis monsieur, pas après voilà, monsieur Chappé, quoi, et puis c'est moi, monsieur, il vient, et quelques jours après, Corée du Nord a annoncé qu'il y avait un militaire américain dans main, et militaire américain, ça, monsieur, était expliqué pour ça qu'il était quitté, parce que monsieur, il n'a pas pris mes traitements racistes aux États-Unis, il n'a pas pris mes traitements face à traiter militaires, surtout militaires minorités.
Bon, après, on paraît tant que le fait. Bon, la Chine négocie, etc. La Suède, eh bien, bon, et autorité Corée du Nord remettent les bails la Chine, qui en retour les mêmes bails États-Unis. Mais c'est à travers la médiation la Suède. Donc, États-Unis, dans la déclaration responsable, ils ont fait, ils ont dit, on va faire aucune concession. Et ça veut dire qu'on ne va pas bailler rien en retour pour libération, monsieur. Bon, et l'autorité américaine dit, il est bien content de faire que monsieur retourne à la caille et ça fait plaisir, et monsieur réunit avec la famille. Mais ça concerne les sanctions qu'on va prendre contre lui, ça a été pour faire une date que personne ne pourra annoncer parce qu'il y a des décisions qui va bien prendre dans le dossier-là. Et puis, bon, c'est. Et puis, il y a un deuxième débat candidat républicain qui a cherché une nomination partie pour l'élection présidentielle 2024. Donc, pratiquement pas grand qui sorti. Et tout le monde parlait, tout le monde défendait de façon que capable. Et selon nous avons ça, nous dit, bon, pas grand qui sorti, mais ça n'a pas empêché que l'ancien président Donald Trump toujours a mené dans le sondage d'opinion, Donc, l'ancien président, il a mené. Donc, monsieur, lui-même, pour une deuxième fois encore, il n'a pas participé et lui-même, il dit que pas de nécessité pour un troisième débat encore, parce que ça qui n'a pas rien. Donc, pour ça, vous voulez faire un troisième débat encore. Mais il y a un troisième débat encore qui est fixé et qui est pour dérouler peut-être en fin. C'était probablement en novembre. Que le troisième débat, ça, et la fête encore avec. Bon, très certainement, tout le temps, il y a des gens qui croient que il y a un candidat qui est là, qui est capable justement d'abandonner tout ça si il y a un candidat à régler. Non, campagne électorale pour une nomination parti républicain dans l'élection du 24. Et puis, dans le pays d'Haïti, nouvelle conseil dans le pays d'Haïti, il y a l'OEA qui t'a semblé que l'y entrer dans le dossier Haïti, République Dominicaine, non. Et bien, côté que le mandat pour deux parties, Haïti avec République Dominicaine, et dialoguer, chiter ensemble pour justement voir dans quelle mesure qu'à résoudre le problème frontière et affaire et canal irrigation que Haïti a construit qui pas fait et Dominicain au plaisir du tout et que Dominicain demandé pour camper canal là et camper construction il pas chiter faire aucune négociation avec Haïti sur pas camper construction donc ça dépend de monde entendez opinion variée et chaque monde position différent et chaque monde ouais qui façon que Haïti est capable bar dominicain une réponse avec décision libre pour fermer toute frontière que partager avec Haïti que ce soit frontière terrestre maritime et aérienne et donc tout le monde dit que pour Haïti et pour Haïti bar dominicain une réponse donc voilà c'est ça et puis gagné et dossier bon il y a un gars mais il fait parler de eux toujours et il semble que on partisan qui il mourit, t'es mourir avec monsieur t'es cimé la terre n'importe dans sortie nord capitale là parce que mon partisan qui mourit donc et bah là pas du tout en tout temps la police avec la population menacé de opération alors pendant que la population et l'opération bois calé et que la police a mené opération armée côté que yo ta même et blessé mortellement et moi-même les porte-parole police nationale là blessé mortellement donc côté que la police a blessé mortellement plusieurs monde que identifié comme bandits armés et population même passée à l'infinitif et même brûlé plusieurs monde que quoi qui ta membre gang armé donc grande opération tout cap mené dans zone là et côté que autorité a mené enquête sur monde qui fait venir habiter dans zone pour connaître de qui prévient qui est sur exactement qui doit sortir pour qu'il soit venir habiter dans zone là etc. parce que je suspecte que activité gang a multiplié et a avancé venir dans l'autre côté ça c'était pour dossier puis dossier immigration mes amis États-Unis par contre qui s'est pour prier et dans moment gain en pile plusieurs milliers d'immigrants cap vider sur eux et gens qui viennent sans document légal sans papier ou viennent carrément ou peut-être qui aller à espoir que et les États-Unis a permettre entrer dans pays à venir demander asile c'est sur le Venezuela il y a plusieurs vidéos même qui montrent et immigrants qui traversé et fleuve Rio Grande alors courant ils du courant font en pile donc comment ils forment une sorte de chaîne côté une qui bémé l'autre pour éviter l'autre là pas tomber dans l'eau pour traverser rivière là et fleuve là donc immigration entre temps sont un problème pour autorité américaine qui par contre qui ça peut faire il y a un sujet qui capable faire partie campagne électorale
et élection 2024. Yo. Donc, il y a plusieurs milliers, et c'est chaque jour chiffre là pour augmenter. Et je dis, on va parler encore de l'autre groupe moun, et qui est rentré, et au moins était content, les UVC qui sont dans la zone Chiapas. Et puis, il y a un président mexicain tout, qui déclarait un état d'urgence. Et justement, pour le capable faire face avec les immigrants qui traversent, qui utilisent les territoires pour aller et continuer à aller dans l'autre côté de l'Amérique centrale jusqu'à ce qu'ils arrivent au Mexique et puis continuer le voyage et sous frontière des États-Unis. Donc, le président mexicain t'assemble et même ferme les frontières même avec ferme les frontières pour bloquer ou pour empêcher flot immigrants traverser les frontières. Et qui ça qui gagne encore dans l'autre grand point qui s'est devenu actuel, nous parlons du débat qui gagne et que la République a fait. C'est pratiquement, et puis il y a une réaction tout, il y a une course pour capitaliser sur réaction, parce que il y a une réunion qui vient pour faire sur le dossier Haïti, dans le Conseil de sécurité nationale, pour le réunir sur le dossier Haïti, surtout sur le dossier et pour autoriser et Kenya. Ça prend tête une force multinationale, d'Aradi, qui pourra aider la police nationale à combattre la gang armée. Donc voilà, nous avons un silence complet qui est là, mais son manifestation liée. Et après que tout le monde qui est handicapé, il est sous chez vous, et il y a tout le monde qui est là. Bon, c'est certainement une limite, un nombre de temps qui là, et nous avons une pile, une bonne unité. Police qui campait là et qui certainement campait là pour garantir sécurité et manifestants. Est-ce que ça, là, c'est nous qui campait là aujourd'hui? Oui, nous qui campait là aujourd'hui. Merci un peu pour commenter nous. Moi, suivre nous un peu, les bien content et ça va passer exactement de situation et qui est en situation et réaction nous même tout face à la situation. On va passer là et puis il y a un dossier qui fait des blagues, il est retourné sur tapis encore. Nous allons arrêter de sur la voie de l'Amérique parce que justement, les collaborateurs nous ont travaillé sur ce dossier-là pour connaître qui s'est passé exactement. Est-ce que Guifi a retourné en Haïti? S'il a retourné, c'est qui l'est, etc. Il y a des dossiers qui sont censés à l'étude. Ce n'est pas la meilleure façon de dire non. Mais okay? Donc, nous tous passons un bon après-midi, accompagnés de la voie de l'Amérique. Nous avons rencontré avec nous encore à 4 heures dans le journal radio sur télévision. Côté de certains membres de topiquement et puis. Problème d'immigration qui est là et forcer l'autorité au Texas et faire plus de recherches dans l'autobus et donc les ralentir, c'est-à-dire le commerce entre les États-Unis avec Mexique. Donc c'est des milliers de trailers qui campent captant et qui passent plus qu'un jour à attendre parce que la douane a fouillé et fouillé avec beaucoup plus. Et plus bail pour capable ouais si pas gain entre les cap transporter immigrants en même temps. Donc ça veut dire que les chauffeurs sont pas contents du tout et parce que c'est près de 1 milliard de dollars et marchandises qui est entré aux États-Unis. Donc ça a affecté l'industrie au Mexique et donc vous comprendre les nègres là touché quand même n'importe qui jamblé mais quand même sont des ralentissements. Et il dit que longtemps, il n'y a pas fait comme ça. Donc, quand les patients font une simple recherche pour eux, puis ils sont allés. Quand il y a monsieur et la douane avec protection frontière américaine, beaucoup plus méticuleux, j'ai envie de dire, il est là. Quand il a cherché, il se met à fouiller les machines de transport cargo, plus pour chercher, pour essayer de gagner l'autre bagage qui n'est pas nécessaire, qui est illégal. Que le chauffeur a utilisé pour faire entrer aux États-Unis. Et bien, bon après-midi tout le monde. On en parle encore.